Salut tout le monde, ici iPlay4U, on se retrouve pour le 17ème, je crois que c'est le 17ème, je me trompe peut-être, non ça doit être le 17ème épisode de mon aventure suivie sur le jeu Legend of Grimrock où nous allons attaquer tous ensemble le niveau 8. Voilà, je vous montre, je débute le niveau 8, surprise, que va-t-il se passer? Écoutez, on va le découvrir tous ensemble, voilà, mes personnages sont prêts. Alors j'aperçois tout de suite un parchemin en face, et ça c'est la bonne nouvelle de la journée. Eh ben non, air magique, je le jette. Je vais même pas prendre le temps de le stocker puisque je ne suis pas du tout spécialisé dans l'air, donc ça me sert à rien de prendre ces trucs là. Blablabla, on va essayer de faire un peu de ménage. Tiens, hop, voilà, on va faire du ménage. Là, on va faire des sacs à bouffe. Hop, hop, un peu de sac à bouffe de temps en temps, ça fait pas de mal. En parlant de bouffe, tiens, ça va plutôt bien. Ça, les torches, c'est pareil, je vais m'en débarrasser. Je vais faire un peu de ménage dans cet épisode puisque ça sert à rien non plus, puisque j'ai un sort qui me permet d'éclairer. Et du coup, autant en profiter pour utiliser ce sort. Allez, c'est parti, on y va. Je regarde un peu sur les côtés. Pas de secret en vue. Alors évidemment, c'est... Oh tiens, regardez ça. Pas de secret en vue, il suffit que je dise ça pour en trouver un. Ça, c'est pas mal, ça. C'est quoi, c'est une araignée? Oh, tu parles d'un secret à deux balles, quoi. Super. Oh, bah t'as bouffé. Allez, hop. Je vais reprendre mes carreaux par contre. Bon, ben voilà, j'ai trouvé un petit secret, c'est top. Alors, des plantes, champignons. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, une tarte. Une bonne tarte. Elle a l'air périmée, ça a l'air génial. Magnifique. Bon, ben voilà, évidemment, je regarde les commentaires de chacune de mes vidéos et vous êtes nombreux à me dire que je loupe des secrets. Effectivement, vous avez raison, je regarde un peu ce que vous me dites, hein. On regarde à la 18ème minute, il y avait un truc, il y avait un parchemin, etc. Et vous avez raison, le problème c'est que je suis beaucoup plus loin, moi, quand vous postez votre commentaire, faut savoir que j'en suis généralement nettement plus loin. Et du coup, je peux pas revenir en arrière. Alors, cristal de vie, c'est pas bon. C'est pas bon parce que le cristal de vie, généralement, il y a une note ici. Il y a une note. Alors, je sais pas ce que c'est. On va la garder, on ne sait jamais. Ça s'est éteint, tiens. C'est bizarre, quand j'ai pris la note, ça s'est éteint. J'avais vraiment l'impression de voir des trucs. Bon, écoutez, on continue, on verra bien. Ah, c'est vraiment dommage que la touche F5 ne fonctionne pas, hein. J'ai regardé, j'arrive pas à faire de sauvegarde automatique. Et du coup, à chaque fois, je suis obligé de me fâcher avec vous. Là, il y a une porte en fer avec une clé spécifique. Alors, déjà le niveau 9. Il y a un truc que j'ai loupé. On va voir ce que c'est. Déjà le niveau 9. Ouais, il y a un truc que j'ai loupé là. Voyons voir ça. Là, y a rien. Ça s'est réactivé ici. Cristal de vie. Bon, on va dire que c'est la suite logique du truc, sûrement que pour pouvoir accéder au niveau 8, il faut que je commence par le niveau 9. En tout cas, je vais mémoriser ici, je vais prendre une note. Hop, porte en fer. Voilà, porte en fer, ça va le faire. Toc, hop, petit pouf, paf, c'est parti. On imagine que pour ouvrir la porte du niveau 8, il faut que je fasse le niveau 9. En tout cas, je pense que c'est ça. Évidemment, comme j'ai un peu avancé, je sauvegarde. Vous voyez, ça prend que 5 secondes, c'est vraiment pas grand-chose. Alors, temple en transe, l'entrée du temple. Il est tout à fait possible que se cachent des secrets derrière ce système-là. Alors... Bon, là, il y a quelque chose... Ça m'a l'air assez évident, il faut poser une torche. Évidemment, j'avais posé toutes mes torches. Non, il m'en reste une. On va essayer, dans la mesure du possible, de garder une torche sur soi, puisque... Parce que vous voyez, de temps en temps, c'est possible que j'ai besoin d'en poser... Oh, c'est quoi ça? Oh, il m'a fait peur, lui. Pff. Allez, viens.
Allez, viens. Ouh, c'était chaud. C'était chaud, c'était chaud. Voilà. Allez, dégage. Bon, j'ai enflammé mes trucs. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose pour ce type de monstre. Hop, on va garder le froid quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça se sépare en deux. Regardons la carte. Je peux aller par là, je peux aller par là. Voyons voir. Oh, il y a sûrement un secret derrière ce truc. Ouais, tiens, du fromage. Du fromage pourri. Rien d'autre. Non, rien d'autre. J'entends des bruits bizarres, c'est pas très rassurant. Ah ah! Oh oh! Oh non! Et t'as fait un bon sang dans la tronche. Hop là! Esquive! Allez, viens! Oh non, j'ai tiré pour rien. Allez, viens! Et voilà, hop. On va essayer de récupérer ça. Oh, il y a une clé! Oh, j'ai trouvé une clé! J'ai trouvé une clé, ça c'est pas mal du tout ça. Alors, je peux aller par là, je peux aller par là. Regardons un peu la carte. Ouais, ouais, ouais. Ça se sépare en deux, il y a un parchemin ici. Hop. Alors, nous, l'ordre du feu sacré, nous avons donné je sais pas quoi pour protéger le sanctuaire et garder... Blablabla, blablabla. Ok, super, magnifique. Bon, on va garder ça de côté. Pour l'instant, ça ne me dit rien qui vaille. Encore un parchemin. Alors, two time left, six later, once right, once left, three time right and twist, more is left. Ok, ça m'a l'air d'être une suite. Ça m'a l'air d'être une combinaison. Une combinaison à respecter. Ça, à mon avis, c'est important de le garder, ce parchemin. Autant il y a des parchemins, des fois, on se dit, pff, ils servent un peu à rien. Autant celui-là me semble très utile, puisqu'il donne une combinaison. Une combinaison qui sûrement va m'être utile très prochainement. On va sûrement avoir la réponse d'ici peu. Tiens, mais regardez ça, pas mal de piliers. Check a red room. Check a red, check, check. C'est pas un système d'échecs ou de jeu, de damier, quelque chose comme ça. On verra bien. Ah, c'est un peu facile ces secrets. Alors voyons voir ça. This is a checkered room, don't let it fool you. Ok. Ok, ok, ok. Bon, ça j'en ai pas besoin, vous voyez, c'est le parchemin à deux balles qui sert à rien. Alors il y a sûrement un système de combinaison à faire pour ouvrir la porte que vous voyez là. Check a red room, ça me dit quelque chose ce truc. Je pense que c'est un système de damier à mon avis. This is a check a red room. Je vais regarder sur internet la définition de check a red room. Voilà, je vais juste regarder parce que j'ai un doute sur la définition de ce mot là et je vais pas vous faire perdre votre temps. Je vais regarder, je reviens tout de suite. Hop, voilà, ça y est, je viens d'avoir la confirmation. Check a red room, c'est bien ça, j'avais un doute, ça veut dire salle à damier. Donc c'est bien un jeu en fait, c'est un jeu de dames tout simplement, check a red room. Donc à mon avis, ça doit pas être compliqué. À partir du moment où vous avez la traduction de cette ligne là, vous comprenez facilement que c'est un jeu de dames. Et que les dames se déplacent en diagonale. Le problème c'est que moi je peux pas me déplacer en diagonale. On va utiliser les objets... Je vais essayer. Ouais, non, je peux pas du tout me déplacer en diagonale. On va utiliser les objets pour faire le déplacement. Je vais utiliser ça, puisque ça ne me sert à rien. Tiens, cette dague-là. Alors, j'attaque là. Est-ce que si je mets ça là... Je teste, on verra bien. Ça par contre c'est un peu le bordel là-dedans. C'est même beaucoup le bordel je trouve. J'ai pas... Ah il me faudrait un autre sac. Toi, t'as quoi là-dedans? C'est pas vrai quoi. J'ai un de ces bordels. J'ai l'impression que c'est typique de mes parties. Hein. Chaque fois que je joue à un jeu c'est le bordel. Voilà. Alors, essayons de jouer un peu aux dames. Si je pose une là.
Une là. Une là. Ah, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Alors, si je pose une là. On va essayer. Hein. Une là. Ensuite. Une là. Hop. Ah, les énigmes à deux balles, quoi. Une ici. J'espère que c'est ça. En tout cas, je conçois pas le jeu de dames autrement. Donc, j'en ai posé une là, on en pose une là. Et ben voilà, regardez ça, c'est top. Alors, le problème, c'est que je vais être obligé de laisser mes trucs derrière. Je me retrouve enfermé. Bah, ça, c'est pas malin, ça. Bah, je suis enfermé. Flûte. Flûte, flûte, flûte. Bon, c'est pas grave. Je vais reprendre mon arc, parce que j'ai plus de munitions dans l'arc. Et ça mérite bien une sauvegarde. Ok, c'était bien ça. Check the Red Room, salle à damier. Il a fallu jouer aux dames. C'était assez simple, pas de problème. On continue l'aventure. Apparemment, hop, voilà, on va utiliser un sort pour éclairer. Allez, dépêche-toi. Hop, et on y va. Alors. Ça se sépare en deux. On va continuer par là, tiens, pour voir ce qu'il en est. Hop, hop. Oh, il y a des bruits, il y a des bruits, il y a des bruits. J'ai pas eu le temps de lire la pancarte. Ouf, heureusement que je l'ai tué parce que là, à mon avis, je me le prenais en pleine poire son tir. Alors, je ferme. Qu'est-ce qui est écrit? Armurerie, parfait. Armurerie. Qui dit armurerie dit jackpot. Voilà, des flèches. Super, 5 flèches d'un coup. Génial, ça. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Que dalle. Oh, ça sent le secret là-dedans, vous allez pas me faire croire qu'il n'y a pas de... Ah ah ah! T'es capté! Oula, oula, oula! Oh la vache, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait! Allez, tire! Voilà! Mince, je t'ai loupé! Voilà! Ouais, je sens que mes personnages sont plus puissants. Ouh, une superbe hache! Oh, ça c'est top. Alors, puissance d'attaque 20 et celle-là, puissance d'attaque 24. C'est top ça. Speed 8. En plus, elle est plus rapide. Oh, c'est génial ça. Allez hop, voilà. Nouvelle hache pour mon guerrier qui en plus est spécialisé dans les haches. Donc ça, on pouvait pas faire mieux. Qu'est-ce qu'on a? Une épée. Ah, une épée. Épée, épée. Oh, elle est toute pourrie ton épée. Allez, dégage. Ça c'est parfait. Des bombes. Ok, un casque. Ouh, casque protection 8. Ah, j'ai protection 9, donc ça ne me sert pas. Toi, protection 8. Et du coup, eh bien, ça ne me sert pas non plus. Armure, protection 6. J'ai déjà une protection 6. Protection 9, c'est pareil, ça ne me sert pas. On le met pas aux autres, puisque ça les perturbe. On va pas mettre une armure de maille sur un magicien, évidemment. Bon, ben voilà, pas de secret en vue. Bah du coup on a fait tout ça pour une hache. C'est pas si mal finalement d'avoir trouvé une hache. Je vais pas m'en plaindre. Allez hop, je reviens en arrière. On va essayer de trouver le bon chemin pour continuer notre périple là-dedans. Dans cet enfer de couloir. Et je sauvegarde. Hop, regardez ça, ça a pris 3 secondes. Même pas, là je veux pas vous entendre, c'était nécessaire. J'avais pas du tout envie de tout me retaper. Si jamais je me retrouve en difficulté. Je fais pas demi-tour là. Attendez, je comprends pas, je viens de par là et... Il y a un truc que... J'ai pas compris, là. Hop. Il y a un décor qui se téléporte, j'ai l'impression. Regardez ça. Regardez bien l'image, hein. Hop. Vous voyez, Là, il y a une boucle, attention. Elle y est plus. Il y a un truc... Ouais, ok, j'ai compris, c'est le couloir. Je me téléporte dans le couloir, il faut que je marche. Ouais, c'est ça, il faut que je marche. Hop, je me suis téléporté. Donc du coup, on passe par là. Voilà. Ah, oh, c'était pas mal ça. Très facile comme énigme. Alors, top Temple Ground. Super. Encore un message. You have been warned. Vous êtes prévenu. Vous êtes prévenu. C'est pas bon ça. Ça sent pas bon, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça ne sent pas bon du tout. On va où, à droite ou à gauche? Non, en face ou à gauche? On va en face, tiens. Ah super, y'a... Ah, c'est quoi ça?
Waouh, il m'a fait peur. Oh les boules. Oh je suis... Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Je suis encerclé. Oh puis ça tremble. Oh là là, je suis mort. Ah j'ai eu un mort, c'est pas vrai. Ah j'ai eu un mort. Bah comme quoi vous voyez, ça vaut le coup de... Oh là là, c'est quoi ça? Ça vaut le coup de sauvegarder régulièrement puisque du coup vous voyez ça, ça évite de se retaper les séquences foireuses. Alors ça c'est la séquence du couloir. Ok, je l'ai compris cette séquence là, il n'y a pas de problème. Hop, 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 on avance, on recule. Et on passe par là, ok. Oh là là. Des dinosaures quoi. Le dinosaure qui est passé par là, je vais encore une fois sauvegarder. Pour m'éviter... Donc le dinosaure est arrivé par là, j'ai l'impression. Ouh, c'est bien ça. Oh là là, fait peur. Faut pas que je me fasse encercler. Ah, je suis encore... C'est pas vrai, j'ai fait la même bêtise, quoi. Allez, fous-moi le camp, s'il te plaît. Laisse-moi passer. Ah, j'ai pas assez d'énergie. Ah, il va crever, lui. Oh là là là, la misère, misère, misère. Ok, c'est bon. Oh, y'en a un autre. Y'en a un autre. Ils ont craqué. Le truc, c'est que je vais me téléporter ici, j'imagine. Hop là. Wow, 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 wow. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, voyons voir ça. Je vais utiliser des potions. Puisque j'en ai pas mal, de toute façon. Donc, c'est pas un souci. Regardez, ça en va. On va refaire des potions. Pouh, c'est dangereux cette salle, effectivement. Ils ont bien fait de me prévenir. Il y a du niveau. Il y a du niveau, il y a du niveau. Allez, on va en refaire. Beaucoup, beaucoup de dinosaures. Oh là 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 là. C'est pas bon ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Allez, on va retourner à la baston. On va retourner à la baston. C'est parti. Viens là, petit petit. Pourquoi? J'ai pas assez d'énergie, évidemment. Bah je me téléporte plus, ça c'est la bonne nouvelle. Si, je me téléporte, regardez ça. Ouh là 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 là. Ok. Attendez, je fais demi-tour ou pas là? Non, je fais pas demi-tour. Là par contre, je me suis téléporté. Ok, ça y est, j'ai retrouvé la pièce. Il me semblait bien en avoir vu un autre. Petit petit. Oh non, vous êtes deux encore, mais c'est infernal. Oh là là, ils sont deux, ils arrivent. Oh, misère, misère. Je prends cher. Oh, c'est vrai que ça m'a téléporté, j'ai oublié. Oh là là, misère, misère, misère. Fous-moi la paix. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai fait le tour, je sais pas du tout où je suis. Je vais mourir. Oh là là, quelle galère, je sais pas où je suis. Il faut que je trouve une salle où je peux zigzaguer. Faire la danse. Là, je peux. Non, je peux pas. Là, je peux. Ok, parfait. Oh la vache, c'est tendu. J'ai plus beaucoup de points de vie, je suis retourné dans l'armurerie apparemment. Je sais pas comment j'ai fait pour retourner là, mais j'y suis. Ok, parfait, on va pouvoir faire la danse du slip. Waouh, quel combat intense. Ah, ils m'ont donné de la viande, tiens. Ça c'est parfait. Pou, quel combat mes amis, ça a été tendu. Vraiment une zone assez terrible, assez difficile. Des dinosaures, ça fait bien longtemps que j'avais pas vu ça. Dans un jeu, hop, voilà, c'est parfait. Encore de la viande. Alors, que je m'y retrouve. Parce que du coup, je suis parti assez loin. J'ai pas beaucoup de points de vie, il serait peut-être intéressant de dormir. On va dormir. On va essayer de trouver l'endroit... Oh là là, il y en a encore un, mais c'est pas vrai.
Ah, j'aurais dû sauvegarder. Je suis bête. J'aurais dû sauvegarder. J'ai pas été intelligent sur le coup. Non, ne meurs pas. Ah, flûte, je pouvais danser là, je pouvais faire la danse. Aïe, ça se passe très mal, hein. Ça se passe pas très bien. Beaucoup de créatures. Non, me touche pas. Voilà, c'est bon, je suis retourné dans l'armurerie, c'est parfait. Oh là là, qu'est-ce que c'est hard. Mais qu'est-ce que c'est hard. Les dinosaures, ils sont vraiment costauds. Ouais, il faut vraiment que je dorme. Ils ont plus d'énergie, ils peuvent plus taper. C'est assez tendu. Ouh. Très hard. Très très chaud. Allez, je sauvegarde et je dors. Parce que là, il y en a vraiment besoin. On va taper la sieste. On va faire monter notre personnage, tiens. Alors, athlétique. Il peut porter 15 kilos supplémentaires, vitalité, dextérité, ça pue, c'est pas terrible, épée. On va peut-être commencer à se spécialiser dans les épées, puisque là, vous voyez, clairement c'est pas terrible. Alors que épée au niveau 23, j'ai une attaque, powerful attack, ouais c'est parfait, allez on y va. On va se spécialiser dans l'épée, et je dors. Oh, quel combat. Oh, les dinosaures, ils sont flippants. Ils étaient très nombreux, effectivement. J'ai bien fait d'être prévenu. Ouais, ok. Il parle d'une salle de machine. J'ai besoin de le réparer pour pouvoir quitter cette place. Ok, bon. Une histoire de machine à réparer. Allez, sapience. On va pas attendre que l'énergie soit pleine. Hop, voilà, ça suffit. Pas besoin de faire des siestes de 12 heures pour se sentir bien. Je re-sauvegarde pour éviter de se retaper toute cette séquence si jamais je me retrouve nez à nez avec un T-Rex. Oh là là, qu'est-ce que c'était tendu. J'ai bien aimé. Très très bonne séquence de jeu. Voilà. Alors, est-ce qu'il reste des dinosaures? Petit dino. Allez, encore de la viande ici. Tiens, en parlant de viande, on va les faire manger un peu. Tiens, mange ta viande de dino. Mange ta viande. Tiens, la viande de dino, ils aiment ça. C'est bon. Et ici, qu'est-ce que j'avais ici? Oh, c'est pas vrai. Vous réapparaissez ou quoi? C'est... Oh, puis j'ai plus de lumière. C'est infernal, votre histoire, là. Non, c'est par là. Je me suis trompé. Ouf. Quelle galère. Je vais pas encore retourner à l'armurerie ici. Apparemment, si. Ok, là, je peux faire la danse. Ben voilà. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est balèze. Il y a combien des dinos comme ça. On va pas en affronter 150. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, il va falloir me laisser quitter cette pièce. Hein. Allez, on y retourne. En espérant que ce soit le dernier. Le problème, c'est que comme j'ai dormi. Non, c'est bon, ça a l'air un peu plus calme. Bon, ceci dit, ça fait de l'expérience au pire. Alors, ici, il n'y a que dalle. Donc, on regarde un peu la carte. Ok. Qu'est-ce que c'était chaud. Oh, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave, puisque là, c'est facile. J'ai une salle complète pour pouvoir faire ma danse. Et du coup, ça devrait bien le faire. Il va falloir que je refasse des potions de mana, puisque j'utilise énormément de mana à chaque combat. Cher. Parfait. Oh, c'est dommage de l'avoir loupé. Allez. Et donc, t'as combien de points de vie, toi? Voilà, il suffit de gueuler un peu pour obtenir la mort de ces terribles créatures. On va se refaire, si vous êtes d'accord. Hop, voilà, une potion de mana pour notre magicien qui, en cas de coup dur, pourra sans problème l'utiliser. Oh là là, en espérant que ce soit le dernier dinosaure, même si à mon avis ça m'étonnerait. Alors, à droite ou à gauche? Je sais pas du tout par où passer, moi.
Oh, il y a un secret là en face. Il y a un secret, il y a un secret, j'aime. Ah, ça a ouvert une porte. Vous l'avez tous entendu, ça a ouvert une porte. Le problème, c'est que comme j'ai pas visité avant, je sais pas ce que ça a ouvert. Oh, du. Oh là 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 là, c'est l'enfer. Allez, c'est bon, on va pouvoir tourner en rond ici. C'est l'enfer, quoi. Les dinosaures, ils sont... J'espère que je vais pas me retrouver avec plus d'un dinosaure. Quand c'est un dinosaure, encore ça va. Vous voyez, c'est parfaitement gérable. On peut prendre un peu son mal en patience. Ça demande une petite minute, mais globalement, on s'en sort à chaque fois. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ça donne un peu mal au crâne. Par contre, ça donne le tournis. Allez, allez, allez. Voilà, parfait. Il donne de la viande en grande quantité. J'avais pas vu que t'avais monté, toi. T'as monté depuis un petit moment. Ah non, c'est que je laissais des points de compétence. Ouais, voilà, je m'en rappelle maintenant. Je laissais des points de compétence. On sait jamais si je trouvais un sort et que j'avais besoin de trucs. Ouh là 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 là. Alors. Oh, c'est pas vrai. Allez, ici, il y a de la place. On va pouvoir danser. Tant que t'es tout seul, ça va. Ils ont mis combien des dinosaures? C'est infernal, quoi. Tiens, au bout d'un moment, bah, c'est autre chose, les gars. Ça va, il est tout seul, donc ça me dérange pas. J'ai rien dit, continue, éclate-toi, on fait la danse. On se fait... Oh, j'ai cru voir une autre bestiole. Ça, c'est pas bon, si jamais il y en a vraiment une autre. Bon, il y en a une autre. Ça va, il est encore loin. Voilà, là, 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 il a fallu que je l'appelle. Et tu veux pas mourir, toi, ce serait très sympa de rendre l'âme. Merci. Et voilà, parfait, on va pouvoir danser ici. Mais c'est infernal, quoi. Je veux dire, j'en ai pour une plombe à chaque fois à tuer tous ces monstres. Poulololololo. J'espère que c'est les derniers. J'espère que c'est les derniers parce que ça devient saoulant. Ils ont plus d'énergie. Voilà, parfait. Devrait plus tarder. Un petit critique. T'as combien de points de vie encore là? Regardez ça, mais c'est infernal. Hein. Allez, meurs un peu là. Mais meurs! Quel enfer, quel enfer ce niveau. Allez, on reprend les flèches. Hop, hop. J'ai dû en oublier quelque part, en arrière sûrement, parce que j'avais bien plus de flèches que ça, les amis. Ne me dites pas que j'ai perdu mes flèches, ce serait critique. Non, elles sont là, voilà, c'est parfait, je les ai reprises. Oh là, t'as plus beaucoup de points de vie, toi, mon pauvre. T'as plus beaucoup de points de vie. Bon, écoutez, je pense que l'on va arrêter là l'épisode. Oh là 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 là. Allez, je fais lui. J'ai plus beaucoup de points de vie. Terrible, terrible, terrible. Ça va, s'il est tout seul, ça va se passer, mais... c'est terrible, c'est infernal. C'est infernal parce que je mets vraiment une plombe à les tuer. Ça va, t'as pris une bonne boule de feu, t'as pris un critique juste derrière. Tiens, ça te fait mal, ça? Oh oui! Ça t'a fait mal, effectivement. Parfait. Tu l'as mérité. Oh là là, si vous pouviez cadrer un peu, ce serait super. Allez! Ça va, ils sont pas très intelligents. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, il y a un interrupteur. Il y a un interrupteur, je sais pas ce que ça a fait, mais ça l'a fait. Écoutez, j'arrête là l'épisode pour aujourd'hui, on a quand même pas mal avancé. Hein. On a fait énormément de confrontations, du coup j'ai mine de rien gagné pas mal d'expérience. J'ai utilisé des potions, j'ai encore une clé, tiens, ici. Il va falloir que je fasse un peu de ménage dans mon inventaire, parce que là... Ça peut pas durer comme ça. Hop, on va stocker tout ça ici. Hop. Pff, toi, ça sert à rien. Ok, voilà. Oh, j'oublie pas que j'ai une épée très très puissante ici. Si jamais j'en ai besoin, on va s'en servir sûrement très prochainement contre des créatures un peu plus hostiles. Et bah, je vous retrouve, voilà, je vous retrouve très prochainement pour le prochain épisode où on va continuer d'explorer ce niveau 9. On a déjà fait la moitié du niveau, mine de rien, dans cet épisode. Je pense qu'on fera l'autre moitié du niveau dans le prochain épisode, et on continuera notre petit bonhomme de chemin ensemble. Allez, à la prochaine, salut à tous!